rester. Qui quoi? Il est mort. Il est mort. Gaté est aussi mort si je le touche. Mais Gaté est mort. Ouais, 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 les BG, les BGettes, j'espère que vous allez de la forme et bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo sur Dragon Ball Legends. Comme vous l'aurez vu, ces derniers jours, on a rejoint pas mal des trucs un peu sympathiques. On a également rejoué surtout quelque chose de très important, mais du 2v3. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de 2v3 sur la chaîne. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui, les amis, ressortir l'un des 105 concepts sur cette chaîne qui a tant fait fureur. On est parti aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour tester Vegeta Blue, donc le nouveau pour mettre des projecteurs sur lui, dans la team.exe avec Bulma Lapin, Freezer LF, Full Spé, Full Pivot, Full One Shot. Vegeta, en plus de ça, comme vous le voyez, je l'ai 14 étoiles. J'aimerais revenir un peu dessus vite fait avant de commencer parce que je l'ai 14 étoiles et il se joue que sur les Spé. C'est totalement insane, mais surtout, je l'ai 14 étoiles, donc vraiment, préparez-vous. On a un personnage de type défense ici, retenez-le bien. Et la team, vous l'avez sous les yeux, 3 KZ Zenkai, bien sûr, qui sont sur lui. On le full bonus. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, les amis, c'est très simple. On s'occupe de jouer Bulma Lapin et Freezer LF qui ramènent chacun, je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas par hasard, une spé dans l'équipe, hein. Ils ramènent chacun une spé, donc on aura beaucoup de spé. Et en plus de ça, chacun ramène un bonus pivot sans avoir à rien faire. Si on les joue dans la team, ils ramènent 20%, 25%, 15% de bonus pivot, c'est totalement gratuit. Et encore une fois, pareil pour Freezer, ils ramènent une spé. C'est totalement ridicule. Je prépare tout de suite, j'ai envie de vous préparer tout de suite en disant que va y avoir des one-shots, ça c'est sûr, il va y en avoir. Mais Vegeta à 14 étoiles, les gars, c'est très marrant. Très bon visionnage, vous pouvez toujours vous abonner, commenter sous cette vidéo, bien sûr. J'essaie de répondre maintenant un peu plus aux commentaires. D'habitude, je les lis juste un peu globalement. Des fois, je mets des cœurs, des fois, je mets pas de cœurs. Mais là, je vais essayer de répondre vraiment le plus possible aux commentaires parce que j'aimerais que vous me donniez votre idée préférée de point exé, comme d'habitude, si ce concept vous plaît. Vous pouvez spammer la barre de pouces bleus si vous avez envie de plus voir ce concept sur la chaîne qui permet de faire one shot n'importe quel perso et en tout cas de faire taper beaucoup trop fort n'importe quel perso sur, bon, en fait, dans cette team. Moi, je vous dis à bientôt. On se capte 19h pour la séance de stream habituelle sur Twitch. Je mets toujours dans l'espace communauté, hein, n'hésitez pas à check, c'est très important. C'est là où je mets à chaque fois les nouveautés de la chaîne, si je stream pas la dernière vidéo. Bref, n'hésitez pas si vous voulez être au courant de tout. Moi, je vous souhaite un très beau visionnage et on est parti tout de suite. Let's go! Parti, vous le verrez, on affronte donc Gogeta Ultra la zone. Ça veut dire qu'on affronte vraiment du lourd quand même déjà. On a du Migaté, on a de tout. Perfect Dodge. Et il fait un peu mal quand même ce Perfect Dodge. Alors, il est pas décisif dans la game non plus. Alors par contre, le dispel, faut arrêter hein, les dispels comme ça là, tout va. Vraiment, Gogeta, c'est tellement fort pour ça. Par contre, on va pouvoir mettre ici notre petite Bulma, les amis. Petite madame, petite Bulma. Qui devrait s'en sortir quand même. Hein. Même si c'est Gogeta Ultra, on a quand même l'avantage type. Il faut doser. Il est fort, Gogeta Ultra, mais il est pas fort au point d'être menaçant autant un contre-type que notre team, quoi. Alors que pourtant, en vrai, ça devrait être l'inverse. Allez, carte verte ici. Waouh, le switch en Migaté. Pourquoi donc? Regardez les dégâts qu'on va lui mettre. Hein. Il a voulu switch. Le move à ne pas faire. Et en face, il veut jouer à contre... Oh, mais attendez, mais il veut rester à contre-type. Ok. J'ai pas compris. Hein. Je pensais qu'il allait switch. Ok, l'aspect. En vrai, on y va, hein. Carte verte. On va se transformer. Nickel. Donc on va heal, en fait, hein, tout ce qu'on a perdu. Je pense qu'il campe l'aspect. Hein. Je suis sûr même à 80. Voilà, 19% qui campe l'aspect. Par contre, le contre-type, les amis. On y va à contre-type. Voilà, quoi. C'est ça du contre-type sur Vegeta, l'aspect ici, il switch. Là, il ne switch pas, bah écoutez, il est quasi mort. C'est totalement gratuit. Un perfect dodge. Un petit peu bâtard quand même, on a de la chance. Autant en profiter, écoutez les amis. Sur les timings, petite spé. Il faudrait que je le freeze avec la verte pour pouvoir en mettre Vegeta et vraiment profiter de Vegeta, genre. Mes désirs sont des souhaits, enfin... C'est tout se passe comme prévu, c'est même effrayant un peu comment tout se passe trop comme prévu. Alors par contre, ok, nickel. On va mettre Vegeta main. Spé ici, je pense que les deux sont morts. Vraiment que ce soit Migaté. Oh là là. Et de A qui est mort, qui est dehors. Et maintenant, bah si on le touche, en fait, il est aussi mort, hein, Migaté, globalement. Comme ceci. Regardez là. Regardez la jauge, on lui a mis combien qu'on rigole. On lui a mis de fer à combien? À 3,5 millions. Bah écoutez, moi ça me dérange pas hein, qu'il veuille craquer son esquive. Hein. Il met zéro, honnêtement. Vraiment, et à partir du moment en fait, où les contres ne font pas si mal que ça, bah moi ça me va en fait. Allez, il y va, hein, main, il va tout mettre. Il va essayer de me gratter le plus possible. J'ai envie de dire, bah, Vegeta se met bien, quoi. Vegeta va se mettre bien. Il va se buff à chaque fois. Donc je pense que là, les 1,7 million, on les one-shot. Hein. Voilà, il va essayer de garder sa jauge. Il a plus de jauge. C'est fini, toi, Aiko. Les Aiko sont cuits. Et je fonce dedans, par contre, comme un débile. Genre, je me suis foiré. Encore de l'anti-cover, hein, par contre, du côté de Migaté. Je vais pas faire les duos, en vrai, si l'ultime... En face, il veut rester à... Il veut rester...
Qui quoi? Il est mort. Il est mort. Oh, mon dieu, ce qu'on a calé. On aurait pu one-shot deux Migaté, genre. Waouh. Oh, les dégâts. Non, les dégâts de Vegeta, mais... C'est totalement ridicule, en fait, dans cette... Non, mais les points exé, les teams comme ça, frère. C'est bon, les amis. C'est bon, les BG. Il faut arrêter. C'est trop fort, la zone, en fait. On met trop de pression. On a trop de bonus. Que des one-shot. Ça n'a aucun sens. Let's go les frères, Vegeta LFR est présent et c'est un peu mon némésis en fait. C'est littéralement le némésis de ce Vegeta parce que c'est un des pires co-trades évidemment vu qu'il est vert hein. Et surtout vu qu'il a un lock en fait. J'ai voulu flotter, essayer de l'avoir, ça n'a pas marché, je suis un peu écœuré. La vitesse de pioche x2 c'est totalement gratuit. Ok, c'est très bien joué mais j'ai pas compris pourquoi, il aurait juste pu switch et combo. On a la... je sais pas si on a la réduction de combo qui est déjà là. Alors ce n'est pas possible qu'il... Ok, carrément switch Migaté. Il n'a plus de cartes, hein. Là ce n'est plus possible de combo. Il fait une erreur, il est mort. Et évidemment il n'en fera pas hein, parce qu'il va juste pas attaquer. Ouais. Alors par contre, mais alors par contre il a plus d'esquive. S'il m'attaque direct il est mort hein. Ok. Les dégâts qui quoi de Vegeta. Les dégâts qui quoi de Vegeta qui en 2 secondes te font changer d'avis sur toutes les décisions. Mais il y a une réduction de 40% à contre-type sur un Z7 en face. Non mais un peu de sérieux là par contre qu'on vient de prendre. Ok. Le pas de côté, on y va. Allez-moi ça, comment on y va, quoi. On se fait plaisir à contre-type. On switch ici. Petit IP, je pense pas... Oh, j'allais dire, je pense pas qu'elle passe. Mais si, du coup, j'ai un peu le smile. Comme on pourrait dire. Bon, on dirait que j'ai 40 ans, un peu, de dire on a le smile. Bon, en vrai, c'est réel, hein. C'est réel d'un côté. Petite esquive. L'ultime qui passera pas, hein, vu ce qui s'est passé là. Single tap. Vegeta le vert, si je peux le tuer maintenant, moi ça me va. Donc je vais essayer de le tuer tout de suite en fait. On va spammer, on va essayer de le tuer. Voilà. Et je laisse pas une seconde Vegeta le vert. Là c'est totalement gratuit, c'est un moyen de le tuer les frères. Donc on y va. Double spé. C'est dommage qu'on ait pas eu une spé. On aurait mis une troisième spé, je pense qu'il se serait pas attendu. Let's go. Heureusement, j'avais la verte aussi, hein, dans mon Rising Rush. Heureusement que j'ai pas pris la verte, sinon j'aurais parlé une autre langue. Et là maintenant le but ça va justement être de one spé Migaté. Littéralement de one spé et de se faire plaisir en fait. Parce que là il y a plus rien qui peut nous counter en fait, voilà. Là on peut y aller, on peut je crois main. Non là pas le main. J'ai un peu abusé, j'ai un peu surcoté le truc. La réduction de ki tout ça. J'ai un petit peu abusé du truc. En vrai faudrait, je pense à un tackle. Non c'est pas un tackle. Ok nickel. Il se jette, hein, il commence à paniquer en face. Main. Autant mettre tout sur la team, hein. Là on va full booster, il va mettre Migaté mais... Même pas. Alors, par contre, Vegeta n'a pas le temps de faire grand chose dans la game parce qu'en fait, en face, c'est un peu The Bee en fait. Là, ça se passe pas comme prévu. Là, c'est Bulma Lapin qui est en train de faire le kill à contre-type. Mais je rêve. Mais je rêve. Il veut vraiment le garder jusqu'au bout par contre, hein, son Migaté. Oh. C'est tellement risqué, c'est tellement risqué. C'est tellement risqué ce qu'il a fait. Il est mort. Regardez le one shot, hein. Ça n'a aucun sens les dégâts, on lui met combien qu'on rigole vite fait quand même 2 secondes un peu de sérieux. On lui met SP à 4 millions, c'est tout le monde est mort en fait. Tout le monde est mort, c'est la fin des haricots. C'est, il fait trop mal ce Vegeta en fait, dès qu'il est en place avec tout ce qu'il y a dans la team. J'espère qu'il va break cover avec un petit pas de côté et que je pourrais strike. Ok j'ai cru, il va errer, j'ai cru qu'il allait le faire. L'ASP, elle me tue pas, je vais pas assez de dégâts en fait là. Moi j'ai vraiment l'ASP pour lui faire mal mais pas lui. Donc lui ne one shot pas en fait. Parfait, il va tenter je pense, ouais. Nickel, bah écoutez, magnifique. Vegeta les dégâts mais qui n'ont aucun sens. Et là c'est un peu plus la team qui a géré également. Parce que bah il y avait Vegeta les verts. Vegeta les verts c'est un très gros problème. Lorsqu'il a sa réduction de 40% et tout, il fait vraiment trop mal à ce Vegeta. Mais lorsqu'il est plus là, bah c'est fait du slip en fait. On one spé tout ce qui bouge. On a mis une spé à 4 millions quasiment, ça n'avait aucun putain de sens. 4 millions, vous vous rendez compte, c'est genre quasiment 2 persos en entier. C'est comme s'il avait one shot 2 persos, ça n'a aucun sens, c'est vraiment trop fort. Les points exé de toute façon les frères en général hein, n'ont aucun sens, donc bon. Écoutez, c'est face à Golden Vert en plus, c'est genre le pire matchup bien connu hein, pour les Saiyan Vert, enfin pour les Saiyan Bleus. C'est genre THE matchup, hein, faut vraiment pas l'affronter quand vous jouez des Saiyan Bleus. Et là bah on va voir comment on va donner Vegeta et on va surtout voir si on peut one shot du monde en fait en face. Hein. Perfect dodge. C'est bien joué, il l'attendait bien. Il m'a bien vu par contre, hein, parce que pour le coup, j'espère pas qu'il stun.
Heureusement qu'il m'a pas stun, hein, parce que Jiren, s'il stun, ça part vite en coronet en fait avec les persos qu'il a sur le bench. Ouh, je pensais qu'il allait strike cancel en vrai. Je vais rester en vrai, je vais rester pour aller chercher mon petit heal en vrai. Hein. C'est beaucoup plus intéressant ici d'aller chercher un heal. Spé. Voilà, et là on se transforme. Et là on part sur l'aspect. On est sur Golden Bear à contre-type. On va voir, écoutez. Wesh. D'accord, on est à contre-type, hein, je rappelle. Simple histoire pour se remémorer un peu les faits. Mais voilà, quoi, nous sommes à full contre-type. Et il n'y a pas d'avantage type, il n'y a rien du tout d'illégal. À part l'avantage de la couleur dans ce match-up. Là on y va, et je pense qu'on va faire un truc exceptionnel, c'est qu'on va main. En face il va switch, il va pas savoir, on empêche les covers. Hein. Là il ne peut pas switch, hein, tout simplement, il est obligé de rester. Il n'a pas le choix, et là regardez, on met Vegeta, on main, on spé, Migaté est mort, Jiren perd sa barre de vie. Jiren est mort. Jiren est mort. Migaté était aussi mort, hein, c'est la même chose. Migaté est aussi mort si je le touche. Migaté est mort. Ça n'a aucun sens. Il a abandonné direct, il m'a donné un screen de folie. Non mais sérieusement, un peu de sérieux. Il m'a donné un screen de folie. Non mais ça n'a... Oh là là, non mais je pense qu'on peut s'arrêter là, on a ce qu'on veut. Hein. On aurait one shot Migaté, il a abandonné direct, il a fait non. Non, c'est pas pour moi tout ça. Bref, c'était ridicule comme showcase globalement. Mais que dire en fait, globalement, à part que ça avait juste... Ça roulait dans aucun des domaines. Le perso, il one-shotait tout ce qui bouge. Vraiment, Vegeta, c'est un perso déjà qui est extrêmement beau de base. Hein, vraiment, il est excellent si vous l'avez avec des étoiles. Bien sûr qu'il y a deux étoiles, ça fera pas grand-chose. Mais si vous allez le chercher avec des étoiles, 9, 6... En tout cas, à partir de 6 étoiles, il devient cool. Mais vraiment, à partir de 9 étoiles, 10 étoiles, ça devient quelque chose. Et à 14 étoiles, comme vous pouvez le voir, bah, c'est n'importe quoi ce qui peut caler ce Vegeta. En tout cas, il est excellent. Et mesdames et messieurs, j'espère que ce showcase vous aura dans tous les cas extrêmement plu. C'est le retour des points exé. Dites-moi ce que vous en pensez dans la chaîne, tout ça, dans la petite description. Enfin, dans le petit commentaire plutôt, pas la petite description. Mais dites-moi ce que vous en pensez globalement. Voilà, globalement de tout ça, de ce petit Vegeta. Et je vais recommencer, on va dire, un peu à répondre un peu à tous les commentaires parce que je me rends compte qu'en fait, je les lis. Et des fois, il y a des trucs trop intéressants et j'y réponds pas forcément. C'est ce que j'ai fait pour la tier list. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des idées de points exé, tout ça, vous me dites tout ça dans l'espace commentaire. Et j'irai tout lire avec joie, les amis. Bref, prenez soin de vous. C'était Ria. Dans ce cas, de toute façon, ce soir pour un live à 19h et de nouvelles aventures sur Dragon Ball Legends. C'était Ria, je le répète encore une fois, mais prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vos proches. Ciao!